C'est à lui qu'Abdelaziz Bouteflika remet sa lettre de démission. Tayeb Belaïz a démissionné à son tour ce mardi. Salam ala Rasulillah. Tayeb Belaïz était le président du Conseil constitutionnel algérien. Un poste clé, le Conseil constitutionnel est chargé de valider les candidatures à la future présidentielle. L'homme était un proche de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Il faisait partie du trio surnommé les 3B, dont la rue réclame le départ. Abdelkader Ben Salah, chef de l'État par intérim, Noureddine Bédoui, chef du gouvernement, et enfin Tayeb Belaïz, démissionnaire. Non à Ben Salah, non à Bédoui, non à Belaïz, abat le régime, abat Bédoui et Belaïz, dégage les 3B. Dans le même cortège ce mardi, des heurts ont opposé les manifestants à la police, des heurts de plus en plus fréquents. Des manifestants ont demandé entre autres au chef de l'armée des réformes. Le général Ahmed Gaïd Salah leur a répondu, il leur a renouvelé le soutien de l'armée. C'est une armée professionnelle, équipée avec des armes développées, qui sont dirigées sur les ennemis de notre nation et non pas sur notre peuple. L'armée tient à être sûre qu'aucune goutte de sang algérien ne soit versée. Le chef de l'armée a néanmoins appelé les manifestants à la patience et à ne pas perturber le fonctionnement de l'État.